Thanks and welcome to join us on Canal the International. It is 1 p.m. and it's the Bilingual News. We are Kejang Henry at TB and Monique Naosi. So good day, Monique. Bonjour, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International. Il est 13h. L'heure est à l'information. Donc voici les principales articulations. Government confirms NMO's progress made so far for a return to normalcy in the northwest and southwest regions of the country. Prime Minister Dr. Joseph Dangote made the declaration during the fourth session of the follow-up committee for the implementation of the recommendations of the major national dialogue for peace to return in the northwest and southwest regions of the country. Au Cameroun, les marchés sont de plus en plus la cible des poseurs de bombes. Après le marché Mokolo à Yaoundé, c'est celui du marché central de Douala de recevoir sa première bombe. Même si les différentes explosions n'ont pas causé de pertes en vies humaines, il y a une psychose qui s'empare des commerçants. And Cameroun re-strategizes to boost food or fish production in the country, and of course this gap has to be filled. This is part of the recommendations that came out during the board session of the Maritime Fishing Development Project. En culture, l'artiste musicienne Lidl présente son nouvel album intitulé Hybride. C'est 16 titres qui baladent ses fans et autres mélomanes dans un univers différent de son slam habituel. Et c'est à l'Institut Goethe à Yaoundé que cette œuvre a été présentée au cours d'une conférence de presse. You're welcome to join us, Kejang Henry Atembe. And thank God it's Friday, Monique. Now, see you are setting the salvo for the last segment of our news for the week. Of course, Henri Kejang. Nous parlions en titre de ces commerçants du marché central de Douala qui ont eu plus de chance que ceux du marché Mokolo à Yaoundé. La bombe a explosé hier après-midi, n'a pas fait de victimes visiblement, mais l'émotion est à son comble et a contraint les occupants de cet espace marchand à vider les lieux. Espace Baïha, Espoir Baïha, Samuel, Thierry Nana. Il est 15h30. Un bruit assourdissant vient de se faire entendre au marché central de Douala. Au sol, une batterie de moto et des débris éparpillés. Les restes d'un engin explosif improvisé. J'étais du côté-ci. Il y avait un monde là-bas. J'ai seulement entendu un grand bruit. Boum! Quand c'est explosé, j'ai même cru que c'est le pilote du camion qui a explosé. Il me tourne, je ne vois pas au camion. Je vois seulement les gens se mettent à fuir partout là. Une fois quand on a entendu un tour, je me suis tourné. En cachant ma face, parce qu'il fallait que je me sauve. J'ai d'abord jeté ma face derrière le comptoir. Quelques minutes après, je suis revenu. Alors j'ai revu que devant moi, c'était presque vide. La déflagration de la bombe n'a pas fait de victimes, mais quelques blessures légères. On a eu quand même des blessures pas graves, légères. Moi-même, je suis victime parce que quand tu regardais mon pied là, c'est tout ça qui a versé sur mon pied. C'est ça qui a fait que j'ai... Directement quand j'ai reçu ça, j'ai jeté mon visage au fond et puis avant de revenir. L'onde de frayeur venait de traverser la foule prise au dépourvu. Dans la foulée, certains gardent en mémoire des individus perçus sur une moto. Au passage, ils auraient balancé un sac. Ils ont posé un sac banjok. À l'intérieur, il y avait les batteries. Les batteries avec certains petits faits dedans, comme les ferrailles. Il y avait les ferrailles à l'intérieur tellement. Dès que ça a détourné comme ça là, les billes, les ferrailles, les fers, tout était à l'intérieur. Donc Dieu merci, les experts ont dit qu'il y a au moins trois ingrédients qui ont manqué dans ça. Chauffé comme l'acide, c'est comme l'acide. C'est ça qui s'est passé sur moi. Les autorités administratives se pressent sur les lieux de l'explosion. L'urgence impose une sensibilisation. Les criminels ont mis en danger des vies. Un raté qui se présente comme une alerte. Douala sous la menace, après les deux engins qui ont explosé au marché Mokolo, dans la ville de Yaoundé il y a quelques jours.
Après Bouya et Bamenda, c'est au tour de Yaoundé d'accueillir les travaux de la 4e session du comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue National présidé par Joseph Diangouté. Chief Joseph Diangouté, Premier ministre du Cameroun. Cette session a permis d'évaluer le chemin déjà parcouru et recueillir les avis des uns et des autres pour mieux atteindre les objectifs fixés. Delphine Fonkoutené, Serge Alain Zibou. Le nombre d'élèves inscrits au primaire dans la région du Nord-Ouest pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 estimé à 60 422 contre 24 350 pour l'année 2020-2021. Dans la région du Sud-Ouest, on est passé de 194 482 élèves au cours de l'année scolaire 2020-2021 à 123 909 en 2019-2020. Peu à peu, la vie reprend son cours normal dans les deux régions anglophones du Cameroun. Les données qui viennent de là sont prometteuses. Vous savez qu'entre 2017 et 2019, c'était extrêmement difficile. Beaucoup de sociétés, la CDC, la PAMOL, Ndawarati, et même des planteurs et autres ont repris le travail, ce qui reflète un regain de confiance. Les trois Camerounais de la diaspora qui prennent part à cette 4e session du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National ont chacun apporté sa contribution. Nous avons recueilli beaucoup de recommandations de part et d'autre, aussi de la diaspora, que nous allons proposer au chef de l'État, le président de la République, qui nous permettra d'avancer sur ce chemin. C'est un chemin difficile, nous le savons, mais nous voyons déjà la lumière au bout du tunnel. 6 points à l'ordre du jour de ces travaux, démarrés par une minute de silence, en mémoire des victimes de la crise anglophone. En rappel, ce comité présidé par Joseph Diangouté a été mise en place au lendemain du Grand Dialogue National, tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. Nous restons dans le même versant avec Delphine Fonkoutené. Il y a une multiplicité d'actions qui ont été menées suivant les recommandations du Grand Dialogue National. Y figure le plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le centre de démobilisation, de désarmement et de réintégration, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme et le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pour cette dernière action, quelles en sont les retombées près de 3 années après? Question posée à l'un des participants à ces travaux, Paddy Asanga, activiste de la diaspora. Il s'exprime au micro de Delphine Fonkoutené et de Serge Alain Zibou. Vous savez, depuis que nous sommes sortis du Grand Dialogue, on s'est plaint qu'il n'y avait pas le contenu. Et nous espérons aujourd'hui que, après les délibérations que nous avons eues ici, ils vont nous mettre un contenu satisfaisant selon les doléances de ceux qui sont venus sur le terrain. Mais moi, je viens de la diaspora et j'avais une autre plaidoirie pour venir demander à ce gouvernement, comme ils ont pardonné ceux qui ont cassé, qui ont tué, et ils ont brûlé les écoles, il faut qu'ils pardonnent aussi mes frères de la diaspora qui ont manifesté d'une façon ou d'une autre. Ça serait une justice faite aussi pour la diaspora, parce qu'ils disent qu'ils veulent construire avec la diaspora, et voilà le message que moi je suis venu avec. Vous savez, depuis que nous sommes sortis du Grand Dialogue, on s'est plaint qu'il n'y avait pas le coup. 13h09, vous nous regardez à Bamenda et à Bouya. La seconde partie du journal avec vous, Henrique Jean Atembe. Well, thanks. Welcome back. The head of the follow-up committee for the implementation of the recommendations of the major national dialogue, Prime Minister Chief Dr. Joseph Diangouté, says that enormous progress has been made so far for a return to normalcy in the restive northwest and southwest regions of Cameroon. Speaking during the fourth session this Thursday in Yaoundé, the Prime Minister highlighted the sociocultural and economic activities that have resumed in the two regions, but much still to be done. Now let's take a listen to these excerpts selected for us by Hyacinth Chia. We have seen that the economies of these two regions is finally getting back to its 2016 level.
However, there are a number of issues that still have to be dealt with. Big companies like the CDC, Pamul, Dawarati, they are back in business. But of course, there are still a few challenges. And this meeting has helped to give a number of ideas which we shall put together and report to the head of state, who will therefore instruct on the way forward. But we believe that the way things are going, it is possible that between now and the end of the year, the citizens, Cameroonians living in these two regions can finally have an end of year relatively safe with comfort in their homes. It is there's still a long way ahead, there's still a lot of work to be done, but we believe that the spirit is there. People are willing to see that this thing ends. Was Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion Guterres talking to Hyacin Chair. After multiple explosions recorded in Yaoundé, Douala has become another latest town to be hit by a locally made explosive, an artisanal bomb, blew off a few hours back in Douala at the Douala Central Market, and vendors, as well as, of course, buyers were sent fleeing for their lives. At press hour, the situation is said to have been brought under control. Details with Regina Leke-Tandak. It was at about 3:30 on Thursday, explosive had blown off. I was at that corner and there was a large number of people on the other side. And then suddenly I heard a loud noise. I thought it was the tire of a truck that had exploded. I turned around and I never saw any truck. And I then saw people running helter-skelter. We heard a loud noise. I turned, hiding my face because I had to protect myself. I hid myself behind my container. After some minutes, I came back and realized the whole area was deserted. Quelques minutes après, je suis revenu. Alors, j'ai vu que devant moi, c'était presque vide. There were no casualties in terms of human loss, but some people were slightly wounded. On a eu quand même des blessures, pas grave. Some of us were wounded, even though it was just slightly. Myself, I'm a victim. If you look at my legs, you would realize traces. Mon visage au front et puis avant de revenir. It is not clear how the explosion occurred, but eyewitnesses say they saw some people on a motorbike who dropped a bag and then took off. Ils ont posé un sac banjok. They dropped a bag, and inside the bag were some batteries. There were also iron rods and other devices. When it detonated, it was now clear the bag contained explosives. Donc Dieu merci, les experts ont dit que il y a au moins trois ingrédients qui ont manqué dans ça. It was hot like acid. These are some of the traces on my body. Defense and security forces were immediately dispatched to the scene. The incident comes barely weeks after two similar explosions at the Mokolo Market in the nation's political capital, Yaoundé. Well, thanks very much, Regina. Very unfortunate there. And Cameroon and Germany have come a long way in cultural diplomacy. Both countries have seen the need to exhibit their common history. In fact, this was one of the issues discussed between the Minister of Culture, Pierre-Ismaël Bidunquat, and the visiting German ambassador to Cameroon, Dr. Karine Frinkel. Details with Beatrice Ngamu from Yaoundé. Stock taking time between the visiting German ambassador to Cameroon and Cameroon's Minister of Arts and Culture this Thursday in Yaoundé around possibility to deepen and strengthen the old long cooperation between the two countries, for example, on the archives. So archives which are in Cameroon now, we have given back all the archives to Cameroon in 2019, and we are now discussing how to make them available for a big public. Cooperation in museum and many further examples. Ambassador Corinna Frey and Minister Pierre-Ismaël Bidunquat also talked on large-scale cultural cooperation. 60 years of Goethe Institute in Cameroon. We have a large community of students from Cameroon in Germany. It's the largest student group from Africa. Since her arrival in 2020, the German diplomat has had opportunity to enjoy Cameroon's diversity.
I had a chance to travel a little bit. I was at Bafoussam, I was at Douala. I was very impressed, for instance, the Museum of Civilizations, of the diversity of Cameroonian culture. Issues and more, that's where at the center of the encounter between the two personalities representing their respective countries, Germany and Cameroon. Thanks, Beatrice Ngamu. Monique Nnaoussi, you will talk now breastfeeding. Of course, Henri Kedjan. Le Cameroun s'est joint cette semaine aux autres pays du monde pour célébrer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Produit par les glandes mammaires de la femme après l'accouchement, cette composition, selon l'avis médical, est le meilleur aliment pour la croissance et le développement du bébé. Seulement, le nombre de femmes qui allaitent leur bébé au sein décroît de plus en plus, selon l'OMS. Karel Mezatia-Choya. Vu ainsi, la succion que fait bébé peut paraître banale. Pourtant, il tire du sang de maman des nutriments nécessaires à son bon développement que contient le lait maternel. Sa composition se modifie au cours du temps pour s'adapter aux besoins du nourrisson, important pour la croissance et le développement de l'enfant et même le bien-être de la mère. La maman qui allait, elle ne peut pas avoir facilement le cancer du sein. Et chez le bébé, nous avons déjà la relation entre la mère et l'enfant, sa lutte contre les infections, le système immunitaire de l'enfant aussi est galvanisé. C'est stérile, ça donne du tonus et ne coûte pas un radis. Il suffit de boire beaucoup d'eau et consommer des aliments liquides pour stimuler la montée laiteuse. Et ce n'est pas tout. La succion aussi stimule la montée laiteuse. Donc aussitôt l'enfant sorti, on le met aussi sous le sein parce que le peau à peau, pendant que l'enfant est sur la peau de maman, il essaye de l'étirer et ça stimule la montée laiteuse. Chaque mère produit le lait maternel, mais elles sont encore nombreuses qui ne nourrissent pas leur bébé au sein au Cameroun. L'Institut national de la statistique, dans une étude réalisée en 2018, parle de 60% de femmes qui n'allaitent pas leur progéniture. La même source révèle que seulement 40% de nouveau-nés passe par l'allaitement maternel exclusif. Il y a des mamans qui ont des problèmes de travail, par exemple. Il y en a qui trouvent qu'elles ne peuvent pas tirer le lait. D'autres disent qu'elles préfèrent faire l'allaitement mixte. Pas mauvais en tant que tel, mais l'allaitement maternel demeure l'idéal. Ça demande juste du temps, un nettoyage des mamelons avec de la compresse et de l'eau propre, et hop. Zoom sur les cimetières de la ville de Douala, à la merci des savanes embryonnaires. C'est le cas, par exemple, du cimetière de Ndorpati, abandonné à lui-même, cet endroit où sont ensevelies plusieurs personnes, reste dominé par des herbes folles, des reptiles. Cimetière de Ndorpati à Douala, tel un cadavre en état de putréfaction. Junior Roussin, Henri Tinda. Des corps sans doute déterrés et des âmes qui ne reposent plus en paix sont probablement en fuite, loin de ce cimetière du village Ndorpati, dans le 3e et 5e arrondissement de Douala. Ce cimetière est devenu depuis plusieurs mois une véritable broussaille. Les herbes couvrent totalement les tombes abîmées par le temps. Ce lieu est devenu un refuge de bandits et de toute espèce vivante. Oh, la mort, c'est la mort, mon père. Peut-être c'est les serpents bois qui habitent même là-bas, ou les totems des gens. Je ne sais même pas si on enterre encore les gens là-bas. C'est très grave. C'est vraiment la broussaille, comme vous voyez là. Oui. Je ne sais pas si la commune voit ça. La situation est déplorable et plusieurs cimetières de la ville de Douala présentent cette image lugubre. L'exécutif communal dans le 3e arrondissement dit ne pas être responsable de l'entretien de ces cimetières et celui de Douala 5e n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. La question des cimetières relève de la compétence de la communauté urbaine de Douala. Toutefois, la communauté urbaine a cédé l'exploitation de certains de ces cimetières aux chefferies traditionnelles. Et quand vous allez à Ndorpati, par exemple, vous indiquez que ce cimetière est dans un état malpropre. Là, c'est le chef de Ndorpati qui est compétent pour mettre la propriété dans ce cimetière.
Pour ce qui est du cimetière Ndorbati, les herbes finiront par couvrir le grand mur qui encercle les différents sépulcres. Rendus à la chefferie traditionnelle censée assurer l'entretien de cet endroit, nous sommes vite renseignés sur l'affaire. Le chef dit n'avoir reçu ni document ni radis de l'exécutif communal de la ville de Douala pour s'occuper du cimetière. Est-ce que j'ai qualité d'y pénétrer dans ces cimetières sans l'autorisation de l'administration? Si les chefs sont subventionnés concernant les cimetières qui les concernent, je ne suis au courant de rien parce que je n'ai eu aucune correspondance concernant l'activité. Entre-temps, au nom du respect des morts, l'appel est vite lancé par les chefs traditionnels à veiller à garder propre les cimetières. Je lance un appel à tous mes collègues afin qu'ils s'organisent et qu'ils rendent les cimetières propres. Même... avoir un grand respect pour les cimetières. Parce que ceux qui sont partis avant nous méritent beaucoup d'attention. On ne va pas au cimetière pour jeter un corps. C'est sa dernière demeure. Il faut que cette demeure-là soit entretenue. La ville de Douala dispose de deux types de cimetières. L'un est dit cimetière communal, géré par la mairie de la ville de Douala, et l'autre, cimetière des communautés, géré par les chefs traditionnels. C'est une grande curiosité pour ceux qui ne demandent qu'à reposer en paix. En culture, l'artiste musicienne Idole présente son nouvel album intitulé Hybride. C'est 16 titres qui baladent ses fans et autres mélomanes dans un univers différent de son slam habituel. Et c'est à l'Institut Goethe à Douala que l'Idole a présenté ce nouveau travail aux populations. C'était à l'occasion d'une conférence de presse. Reportage de Bénédicte Ngono et de Bertrand Tassé. Hybride, la nouvelle facette de l'artiste musicienne L'Idole, présentée ce 4 août à l'Institut Goethe Cameroun à Yaoundé. Du slam, associé à plusieurs autres variétés musicales telles le zouk, le jazz, le rap et bien d'autres, dans cet album de 16 titres, rythmé en 8 langues différentes. J'aimerais faire une chanson que mon petit frère peut écouter. J'aimerais pouvoir aller au village et pouvoir faire une chanson que mes grands-mères vont pouvoir ressentir. Militer pour la femme africaine, victime au quotidien des violences conjugales, est l'une des principales thématiques abordées par plusieurs titres tels Sita. Sita, qui ouvre l'album, c'est une chanson, je crois que vous l'avez deviné, qui met en exergue les violences conjugales, violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales. Et ce n'est pas pour rien que c'est cette chanson-là qui ouvre l'album. Aujourd'hui, on est dans une démarche où il est important de libérer la parole, briser le silence et dénoncer. Et quoi de mieux en tant qu'artiste que d'utiliser sa voix pour le faire? Du titre « Jamais assez » à « Nanan Derda », en passant par « Bango Bango »,« Ndolo et Bobé », l'Idole fait danser ses nombreux fans présents sur les lieux. Une dégustation avant la sortie officielle le 12 août prochain. Présenté après une tournée européenne. Bon vent, l'Idole. Henri Kedjan, you talked about fish. Yeah, we talk fish production and with the insufficient fish production in Cameroon to meet local demands, the Artisanal Maritime Fisheries Development Authority continues to multiply efforts in order to boost local production. At the end of the 33rd session, or ordinary session of the Board of Directors of the Fisheries Development Authority in Douala, the director actually said that they are doing everything to make sure they complete or fill the demand and supply gap. Ambo Gladys Duba reports. Cameroon's annual fish production stands at 335,000 tons. The local production is unable to meet the annual 500,000 tons demand in spite of efforts put in by private investors to boost production. To fill the gap, government is obliged to import at least 160,000 tons of frozen fish yearly, and this affects its trade balance. However,
the Artisanal Maritime Fisheries Development Authority continues to assist fish farmers for better fish production in the country. Was distribution of fishing materials and equipment to fishermen at affordable prices. Supply of ice block for conservation of fish to fishermen at also affordable price. Then the last was the supply of fresh fish to our markets at affordable prices. At the 33rd ordinary session of the board of directors of the Artisanal Maritime Fisheries and Development Authority, MIDEPECAM, in Douala, August 4, 2022, members examined and adopted the performance program and budget for 2021 and midterm budget execution for 2022. The focus is just to validate the financial statements of MIDEPECAM at 31st December 2021. And also to validate the activity and performance report of MIDEPECAM for 2021. According to the Artisanal Maritime Fisheries Development Authority, procurement of inputs for artisanal fishing to boost fish production remains one of the sector's challenges. Ambo Gladys Diban reporting there. We swing over to Noon Division. Noon Division is in the west region of Cameroon, and precisely we are moving to Njimum, which is a subdivision that harbors hundreds of internally displaced persons from the restive northwest and southwest regions of the country. Njimum has been a safe haven as it shelters these people 5 years on after the crisis. Details with Sherifa Saleh. This is Njimum, also called the historical city of the Seven Stones. Found in the Noon Division of the West Region of Cameroon, this clan is full of stories from the Noon and that of Cameroon in general. There is a good number of strangers who have been living in Njimum for ages now, and we have been living together in peace and harmony. The good side is that the Njimum people have been so welcoming to these strangers. We have the Nsop, Tikas, and many others. 20 kilometers away from the main town of Fumban, this part of the country shelters different tribes like the Nsop, Bamileke, and Mbororo. However, facing a lot of challenges. We are facing difficulties as far as educational infrastructure is concerned. Njimum is a big clan. We have a good number of government schools and other private institutions. We need a good health center and a good football field. The Bamun in general, found by the Nchari Yen 600 years ago, have different activities which hold in their locality, which they intend to diversify. Njimum Division is made up of 14 sub-villages. Well, thanks very much. We reported there on the hospitality of the people of Njimum. And, of course, they've been hosting hundreds of internally displaced persons. The Cameroon Football Federation, FECAFOOT, and the United Nations Development Programme, the UNDP, have announced the construction of proximity stadiums in 10 regions of Cameroon. In fact, the funds will be made available to kickstart search operation in Bamenda and other areas of the country. Details with Umul Kulsumi. Promoting local development, social cohesion and peace, the main objective of the partnership between the Cameroon Football Federation, United Nations Programme for Development, and the Ministry of Sport and Physical Education. 7.7 billion CFA is the estimated amount to realize the construction of 10 sport complex in the 10 regions of Cameroon, beginning with Bamenda and Kusiri. We will build a local sport infrastructure where youth can play football, they can also play basketball, they can play volleyball, they can also play any other sport that they wish to play. There will be also a corner in this infrastructure where they can connect on internet and have access to information, use that as a place where they can meet and they can discuss their projects, they can discuss their future, they can discuss their studies, whatever they want to do. The initiative to be realized
through local authorities of the different localities. With the mayor, we will work with the sport association at the local level, which they will be the day-to-day managing this project with the participation of the youth. Youths massively engaged in this project, the launching ceremony this August 4th in Yaoundé was an occasion for some two students to have their pass for the 2022 World Cup in Qatar. Amoko Simi, wrapping up this edition of the 1 p.m. Bilingual News. Thanks very much for having been there with us throughout the week. We've been Kejang Henry Atimbi and Monique Nausi wishing you the best over the weekend. Good day, Monique. Good day, Henri. Happy weekend to you. Thank you. Same to you, Henri Kejang Atimbi. Merci de nous avoir regardés à l'Umlaa, à la chefferie, à Banjoun. Et au nord du Mali, à Gao précisément, et partout ailleurs, mesdames, messieurs, passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 2 International. Quant à moi, je vous retrouve dimanche à 9h dans le cadre de la rétrospective de l'information. Bonne journée sur Canal 2 International.